Bonjour à tous et bienvenue dans Cinéfeuze, Salut. l'émission biannuelle Notre de critique, Cinéfeuze. notre critique du printemps. C'est ça, chaque saison, une émission. Alors, donc cette fois-ci, on a essayé de parler un petit peu d'amour, hein, parce qu'on n'a pas pu fêter la Saint-Valentin, puisqu'on n'a pas fait d'émission en février, ni en janvier d'ailleurs. Donc, pour les gens qui nous suivent encore, heure de Spike Jonze. On s'est dit que ça serait pas mal d'en parler, puisque voilà, c'est un film un petit peu différent, il y a pas mal de choses à dire, je pense. Vu que vous avez fait beaucoup de vues sur Only God Forgives et Snowpiercer, on s'est dit qu'on allait encore prendre un film indépendant. C'est la petite tambouille, la petite tambouille interne. Donc, Heure, pour présenter, c'est un film de Spike Jonze. Donc, Spike Jonze, il a réalisé dans la peau de John Malkovich, Adaptation, il a réalisé quoi d'autre, Maxi Monstre récemment. C'était surtout un mec qui était connu dans le clip. D'ailleurs, on avait fait une émission sur les clips. On parlait beaucoup de Spike Jonze et de ses clips qu'il avait fait. Il avait fait des clips pour à peu près tout le monde. Hein. Ça va de Kanye West à Arcade Fire, par exemple, qui d'ailleurs fait la musique de Heure. Et Heure, c'est un peu un... Alors, depuis Max et Max Romance, il fait quand même des films assez ambitieux, Spike Jonze. Hein. C'est-à-dire que c'est de plus en plus long. Il y a une gestation de plus en plus longue, de plus en plus compliquée à concevoir. Et les pitchs sont toujours de plus en plus étranges, on va dire. Celui-là me semble moins étrange que les autres, finalement, mais bon. Donc, l'idée, c'est qu'un homme qui tombe amoureux, donc incarné par Joaquin Phoenix, qui tombe amoureux d'un OS, d'un logiciel, donc, dont la voix est Scarlett Johansson. Donc, il tombe amoureux d'un logiciel, quoi. Et l'idée, c'est de savoir, un peu comme Siri, mais en version vachement plus évoluée. Et donc l'idée est de savoir est-ce que cette relation, eh ben, elle est viable en fait. Est-ce que ça se passe... Alors, le film, et c'est à mon avis le point important, se passe dans un... C'est un film d'anticipation. Oui, c'est un film dans un futur proche. Proche, oui. Et c'est quand même très important justement parce qu'on est quand même dans un film de SF, quoi. Voilà. Tout à fait. Bah vas-y, je te laisse un petit peu dire ce que tu as pensé du film. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi dans le pitch, c'est que le personnage de Joaquin Phoenix est sur le point de divorcer. Ça fait un an qu'il fait traîner le divorce parce qu'il n'a pas envie de divorcer, parce qu'il est un peu toujours plus ou moins amoureux de sa femme et il a du mal à accepter cette rupture. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant dans le film, c'est que tu disais effectivement que c'est un film de science-fiction. Ouais. Non, c'est pas forcément beaucoup sur cette société. On sait juste que c'est un univers qui est assez avancé technologiquement. Enfin, qui est l'extrapolation de ce que nous on vit aujourd'hui. Oui, c'est l'évolution idéale, on va dire, plus ou moins utopique de ce qu'on peut avoir maintenant. D'ailleurs, ça a été tourné en partie donc à Los Angeles, dans les nouveaux quartiers, et à Shanghai. Oui, parce que ça se voit d'ailleurs, il y a des trucs très propres, très asiatiques. Tout est lisse. Très hybride en plus, comme on dit. Mais ce qui est assez marrant, c'est que c'est un film d'anticipation qui ne juge pas à défaut l'univers en fait. C'est pas un monde où on dit regardez comment le futur va être horrible, on va plus parler. C'est un peu plus subtil que ça en fait. Non, on est plus dans l'application technologique que dans on va dire l'anticipation sociale, parce que c'est vrai que ça a l'air d'être un avenir assez cool, je veux dire, c'est assez ensoleillé, il y a des plages. C'est hipster. Mais bon, ça, il n'y a pas de criminalité, tu vois. Ils sont tous sympas. Ça a l'air quand même d'être un avenir assez joyeux, plutôt sympa. Non, moi, ce qui m'a plu dans le film, c'est bon, déjà le look. Ouais. Il a pris soin d'éviter tout ce qui était bleu, en fait. Apparemment, j'avais vu avec son chef-op, les Towners, ils avaient fait en sorte d'éviter de ne pas mettre de bleu. Et on pousse à fond les couleurs chaudes, tout ce qui est rouge, orangé. Déjà, l'affiche est un peu... L'affiche est rouge. Rose, même rose bonbon. Et finalement, c'est un film qui remet plus l'amour au centre de l'histoire, enfin l'amour dans le sens relationnel que le côté sexuel en fait. Toute l'idée est ce que tu t'attaches, enfin c'est comment tu t'attaches à une personne et quelle est la perception de l'amour par rapport à une personne. C'est ça. Il y a un truc un peu philosophique entre guillemets dans le film, mais un peu parce que finalement, parce que beaucoup de gens traitent l'histoire comme une histoire d'amour, mais moi ce que je trouvais assez fou dans le film, c'était l'évolution du personnage de Samantha. Donc, Samantha. Parce qu'il y a eu pas mal de films sur le virtuel. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas le scénario le plus original de Spike Jonze. Il y en a eu plein, des icônes virtuelles ou des gens qui tombent amoureux de personnages inanimés. Il y en a eu pas mal. Pour moi, le personnage de Samantha, c'est plutôt le HAL 9000 de 2001 aussi de l'espace. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas oublié de traiter l'évolution technologique et comment. Et l'idée enfin je trouve qu'en termes d'explication de ce que pourrait être une IA bientôt, ça pousse quand même assez loin justement, ça dépasse même
2001 sur la conception même de ce que pourrait être une émotion. C'est-à-dire que ce qui est génial, c'est qu'elle, elle a envie d'avoir un corps pendant tout le truc. Là, on est dans Ouais. le, on va dire, dans le schéma classique du film de SF avec une IA. Le mec, enfin, l'IA veut toujours devenir humaine. Oui, parce qu'elle apprend par l'expérience, C'est elle dit ça. même dans le film, j'apprends par C'est ça. l'expérience. Et puis au fur et à mesure, ça change, quoi. Ça se développe. Il y a une sorte de. Et on comprend que ce qui bloque, c'est pas tant. Parce que finalement, le mec vit vraiment une vraie relation, quoi. Ce qui bloque, c'est pas tant le fait qu'il soit humain. Enfin, et qu'en fait, il a besoin de quelqu'un de vraiment humain pour communiquer. Parce que ce que te dit le film est qu'il est assez bien vu. Et que finalement, tu as toujours une perception virtuelle, entre guillemets, de ce que tu vis avec une autre personne, en Bien fait. sûr, bien sûr. C'est-à-dire que ce qui parle avec l'histoire, avec Rooney Mara, c'est-à-dire que Rooney Mara, c'est comme il disait, c'est comme ça il montre comment il perçoit sa relation. Mais on comprend bien dans la scène où il parle avec Rooney Mara que c'est pas exactement la relation que comment elle le voyait, Elle en le fait. Et perçoit. donc c'est toujours pareil. Mais ce qui fait que l'histoire d'amour est triste, enfin, en tout cas dramatique, et c'est en fait que l'IA, justement, a besoin de plus. Et la dernière acte du film, je trouve, est assez fou parce que ils arrivent à te montrer ce que peut être l'évolution d'une IA, enfin carrément d'une nouvelle entité vivante, et en quoi ça changerait totalement les règles du jeu de l'amour. Déjà d'amour. Exactement. Non, mais je sais pas si tu suis Oui, mon raisonnement. je comprends parce que aussi il y a une différence fondamentale. Bon, on va un peu dans le spoiler. Hein, bon, Un petit peu, voilà. bien sûr. C'est qu'une IA, elle peut faire plusieurs choses en même temps. Donc, elle peut entretenir plusieurs relations avec plusieurs Alors personnes qu'une en femme, même non. temps. L'homme en Oui, général, la majorité, le oui, cerveau de oui, ouais. l'homme C'est ça. ne peut aller que vers une seule chose, tu vois. C'est ça, y a l'homme est bloqué dans sa propre chair, Voilà. voilà, qui fait qu'il est bloqué dans sa mortalité, Voilà, dans son son dans besoin sa de. la, sa linéarité C'est ça, temporelle, j'ai envie de exactement, dire. oui. Alors que l'IA, elle peut être à plusieurs endroits au même moment. Et c'est ça qui est intéressant dans le film, effectivement, c'est que, comme tu disais, on questionne son évolution à lui, parce que lui, finalement, redevient humain, redevient un être de sensation grâce, Grâce finalement, à à un ouais. logiciel. Et elle, finalement, elle évolue et elle essaie de dépasser un peu son programme. Puis même, Elle évolue elle quoi. évolue, et puis même ensuite elle a des réponses. À un moment donné, elle va te faire foutre, c'est quoi ton problème? Qu'elle commence à répondre comme un vrai Oui, être ça humain, c'est tu vois. génial comment ils arrivent à développer. Au début, à la rendre plus ou moins humaine, enfin, j'allais dire animaliser, non, pas du tout, à humaniser L'humaniser. ce qui est virtuel, et puis en fait, au fur et à mesure, à te faire dépasser l'humain, quoi. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, moi, dans le film, c'est cette anticipation. J'ai eu peur, hein. Au début, je suis allé arriver, genre, putain, 2h05 sur une histoire d'amour avec un logiciel. Et là où j'ai trouvé que c'était bien, c'était, voilà, c'est sur toute la conception de la SF. C'est un vrai film de SF. Ah oui, mais Si vous êtes fan totalement. de SF, si vous êtes des hardcore fans de SF, il faut aller voir ce film parce que c'est vraiment, même sur des petits détails, quand il parle de jeux vidéo, quand il parle de choses, c'est assez bien vu. Moi, j'avais pas vu ça depuis Minority Report en termes de comment on voit bien l'évolution de ce qui peut arriver bientôt, quoi. Oui, en plus, à un moment donné, il y a une espèce de Kinect C'est plus ou ça. moins avancé dans le Oui, film le petit jeu vidéo. avec le petit Oui, bonhomme en fait, où tout qui. interagit, etc., quoi. Et ce qui est génial, c'est que ça prend pas, parce qu'il y a 10 ans, on aurait fait ce film, on aurait dit, vous voyez, il touche, voilà, il y a plus de rapport humain, quoi. Et là, le mec dit, non, c'est plus subtil que ça, quoi. La chose va plus loin que ça, quoi. Oui, parce Et que. c'est courageux, et justement, c'est là où finalement, c'est à contre Ouais, parce que le film finalement te montre que finalement, malgré tout, ça différent de ce rapproche qu'on les pense. humains entre eux, en fait. Oui. Il n'y a pas de. C'est pas un truc qui sépare. Ce qui est génial, c'est qu'il y a 10 ans, on aurait fait un film là-dessus, on aurait imaginé le moment où il y a la panne électrique, bon, j'en sais rien, tu sais, le moment où l'ordi, parce que l'ordi était encore concrètement, l'IA était encore concrètement, tu vois, dans 2001, on peut l'éteindre, tu vois, il faut aller dans un sas qui est tout rouge au fond du vaisseau spatial, mais tu peux quand même l'éteindre. Là, l'IA, il n'existe même plus, c'est l'iCloud, quoi, c'est vraiment le. Et ça, c'est génial, ça, c'est vraiment une bonne évolution, tu vois. Et donc, tu vois comment le. Là où il est intelligent, c'est qu'il arrive vraiment à passer au-delà de, à vraiment faire un film de maintenant, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Donc moi j'ai bien aimé. Bah, moi, Mais enfin, je vous conseille en tout cas si vous ne l'avez pas moi, vu. clairement, j'ai été bouleversé. Bon. Ah Clairement, oui, carrément. j'ai été ultra touché du début jusqu'à la fin. Parce qu'après, tu as essayé de parler à Siri, tu as essayé de voir si ça marchait. Non, Non, je lui dis non non. Non, finalement. non, vraiment, j'ai été vraiment, vraiment touché parce que, bon, déjà, visuellement, c'est splendide.
puis j'adorais la musique. On était vraiment dans une ambiance où tu ne peux que faire cœur avec ce personnage-là, en fait. Tu es avec lui tout le temps, tu es dans son quotidien, et vraiment, je me suis identifié à ce perso. Je me suis dit, vraiment, je le comprends. Et je comprends aussi peut-être son besoin relationnel avec son. Ça ne veut pas dire que j'irai jusque-là, mais je peux comprendre. Par exemple, à un moment donné, il y a une scène de sexe avec elle où tout se passe dans la tête, en fait. Tu vois? Je me suis dit, c'est beau parce qu'il n'y a plus du tout de conception physique, il n'y a plus du tout de rapport à la chair. C'est purement du sentiment à l'état pur. Tu vois? Et à un moment donné, il fait un truc de fou, Spike Jonze, c'est que cette scène de sexe, il la floute au noir, en fait. Oui, c'est de l'écran noir pendant 5 minutes, ouais. Et Bon, 5 minutes, d'ailleurs, mais ouais, c'est deux pas trois longtemps, minutes quand quoi. même. Et tu as, en tant que spectateur, tu as la liberté d'imaginer ce que tu veux, en fait. Parce que c'est quand même un mec qui fait l'amour avec un système d'exploitation. Qu'est-ce que tu filmes avec ça? Tu filmes soit le gros plan de la tête du mec, soit tu fais ce flou noir qui te laisse une imagination totale. Et je trouvais ça super courageux et super couillu comme proposition. De faire ça, parce que finalement le spectateur peut aussi agir dans cette Oui, scène. d'accord. Ouais. Mais Hein? moi, c'est assez intéressant parce qu'au début, ben, comme c'est Scarlett Johansson, j'imagine Scarlett Johansson lui parlait. Donc, je visualise Scarlett Johansson, forcément. Qui n'était pas là sur le plateau en Non, plus. non, maintenant, c'était une autre actrice et qu'ils ont finalement changé après. L'autre actrice, par contre, était sur le plateau avec lui. Bah pour faire Mais à la base, ça devait être elle. Hein. Et du coup, mais au fur et à mesure du film, j'ai commencé à comprendre que. En fait, je ne pensais plus qu'à la voix, en fait. Parce que je me suis rendu compte que finalement, comme le corps n'existe pas vraiment dans ce moment-là, finalement, au bout d'un moment, on oublie le corps. C'est difficile d'oublier le corps de Scarlett Johansson. Hein, c'est vrai, n'est-ce pas, monsieur le C'est caméraman? Le vrai. caméraman, d'accord. Il La hoche sur caisse, la tête. la Hein, la caisse. caisse. J'avais envie de dire que des gens, quand même, qui ont des relations virtuelles avec Scarlett Johansson, c'est quand même pas original. Il y en a depuis au moins 5-6 ans. C'est Hein, sûr, c'est ça, il y en sûr. a quand même un paquet déjà qui font ça. Mais au moins, là, elle rend l'appareil, on va dire. Voilà, bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais. C'est tout ce que tu as autre chose à dire à Ah bah part. non, 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 enfin je pense qu'on pourrait en parler pendant 1 heure, mais vu qu'on n'a pas cette heure-là, c'est difficile. Non. Non, non, moi je pense qu'il faut vraiment Allez le voir. allez-y Mais et bon, dites-nous ce que vous avez pensé, si vous l'avez bah, vu. très tôt. Si vous n'avez pas été touché, bah, c'est intéressant. Dites-nous pourquoi aussi, Sûrement ce moi serait dans le top intéressant. 10 de l'année déjà, je Ah oui, pense. d'accord. Carrément, ouais. Franchement, tellement j'étais vraiment, vraiment touché par le truc en fait. Voilà, donc nous, on va se retrouver bientôt pour une nouvelle émission. Enfin, une nouvelle, bientôt. Au mois d'août. Donc, ouais, la saison prochaine, en tout cas, pour une nouvelle émission. Donc, on vous dit à bientôt. Portez-vous bien et voilà. Salut! Allez, salut.